Rémi. Quentin. Mathéo. Julie. Clément. Étienne. Pierre. Nous sommes des gars du JTBS. Et nous souhaitons partir à la Toussaint au Japon. Pour découvrir la culture japonaise. Au Kodokan. Pour faire du judo. Mais également retracer le parcours de Jigoro Kano, le fondateur du judo. Alors tout d'abord, je souhaiterais partir au Japon dans le but de découvrir la ville de Tokyo, mais également de pouvoir pratiquer le judo dans son pays natal, et aussi de pouvoir découvrir la culture japonaise qui mêle modernisme et tradition. Oui, mon âge, j'ai 17 ans, je suis ceinture noire de judo, et j'aimerais partir au Japon pour pouvoir découvrir la culture japonaise et m'améliorer dans le judo. Je m'appelle Pierre et je fais du judo depuis l'âge de 4 ans. Bonjour, je m'appelle Julie, je fais du judo depuis 4 ans. J'aimerais découvrir le Japon car c'est le pays de Jigoro Kano, le fondateur du judo. J'aimerais aller au Japon car je trouve que c'est un pays super culturel par son aspect traditionnel avec les temples et la modernité des bâtiments. Je m'appelle Étienne, je fais du judo depuis l'âge de mes 6 ans et j'aimerais aller au Japon pour découvrir la culture. Je m'appelle Quentin, je fais du judo depuis l'âge de mes 5 ans. J'aimerais partir au Japon parce que j'aime goûter ses spécialités culinaires et j'adorerais aller sur les terres de Jigoro Kano. Je m'appelle Martin Juran, j'ai maintenant 16 ans. Ça fait depuis que j'ai 3 ans que je fais du judo. Et j'aimerais partir au Japon tout simplement parce que c'est le berceau du judo. C'est là qu'il a été créé et c'est juste pour ça. J'aimerais partir au Japon pour découvrir sa culture, m'améliorer au judo et surtout pour sa gastronomie. Merci d'avance de votre aide pour nous permettre de réaliser notre rêve.